Bon Daniel, c'était une très bonne, très bonne première mi-temps. Ça a été plus compliqué sur la deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé? L'adversaire a pris le dessus. Voilà, non, c'est vrai, on fait une très très belle première mi-temps. Et puis nous, c'est bon, la R1, on savait que ce serait un petit peu compliqué. C'est globalement plus vite, plus fort, plus haut. Donc il faut faire à chaque fois un petit peu des exploits. C'est bien pour la première mi-temps parce que je trouve qu'on est, on est au rendez-vous. On peut même mener un petit peu plus, je crois. Et puis progressivement, on rate un peu le début du troisième, ce qui fait que dès qu'il passe devant, voilà, c'est un peu plus fort. Mais globalement, je suis assez satisfait de la rencontre quand même. Bon, les joueurs ont répondu présent. C'est un match quand même qui reste satisfaisant malgré cette défaite. 1, 2, 3, qu'est-ce qui t'attend pour les prochaines semaines? Et ben encore des matchs difficiles. Bon, déjà, un quatrième déplacement en 5 matchs. On va au Stade Clermontois, qui est la seule équipe à vaincre, là, qui vont gagner à Saint-Vallier ce matin. Voilà, et puis après, ben, on entamera les matchs retour avec peut-être un 0 sur 5. L'objectif, on recevra 4 fois. Donc là, l'objectif est d'en accrocher un, deux, pourquoi pas trois. Parfait, merci. Voilà.